Merci, chers amis de la presse. Disons, vos questions témoignent de l'intérêt que vous portez au PRD et à notre déclaration liminaire. J'ai vu que les questions, parfois, se recoupent. Il y a des risques. Donc, vous allez accepter que nous ramassions, disons, l'ensemble des questions. Moi, je vais passer un certain nombre de points en revue. S'il y avait des choses que j'oubliais, les collègues sont là pour répondre et pour vérifier. D'abord, on a parlé, ça c'est le budget de sous, c'est 4 heures. Je pense que d'autres sont allés dans la même direction. En d'autres termes, connivence avec le pouvoir pour un rôle de tout fait. Nous servons la cause de Yahi. Nous voulons, disons, embrouiller ou atténuer l'effet de la marge de la plateforme. Tout ça, là, ça c'est le groupe. Je pense que c'est vrai que tout se rapporte pratiquement sur nos relations avec la plateforme. Tout ça. Sinon, comment se fait-il que nous allons en disperser? Je voudrais vous rappeler ici que c'est la veille de la constitution de la plateforme que nous avons reçu invitation. La veille que nous avons reçu invitation à nous identifier. Nous y sommes effectivement allés. Je n'ai trahiré aucun secret ici en disant que les représentants du PRD étaient le docteur Badir Ouattéron et notre frère Sergio Azou. Deux que le PRD sont membres de la direction exécutive nationale. Et c'est les deux, ce sont les deux que le PRD avait délégué pour nous représenter. Mais sur place, ils ont constaté que tout avait déjà été ficelé. Avait déjà été difficile. Vous ne pouvez pas nous inviter pour concertation et nous venons et on voit cette déclaration qu'on se met à lire pour dire qu'il y a des une série de manifestations déjà arrêtées dans la marche du 29 octobre. Une série de manifestations, nous n'en savons rien, dans la marche du 29 octobre. En clair, nous n'avons donc été invités que pour servir de wagon. On a voulu avoir un wagon en plus. Je ne vais pas jouer à ce jeu-là. Bon, c'est vrai que nous n'avons plus dans les suites. Et ça, là, c'était le 2 octobre. Le 2 octobre, si je ne me trompe. Oui, l'invitation, c'était le 2 octobre. Le premier, bon, le premier ou le 2 octobre. Parce que je me rappelais que c'était la veille de notre université des vacances, ce qu'on a tenu le 27 septembre. Donc, le lendemain, oui. Bon. Même si, à juste titre, nous avons vu que nous étions invités pour servir de wagon, mais c'est à la partie qui a déjà, disons, arrêté une série de manifestations, de se rapprocher de nous pour essayer de se justifier, de nous, en tout cas, pas convaincre, de nous remettre en confiance. Pour qu'on ne les soupçonne pas de vouloir nous entraîner dans une aventure qu'on ne veut pas. Et donc, c'est à la radio et à la télé, après l'annonce faite ce jour-là, qu'il y aura une marche du 29 octobre, c'est à la radio et à la télé que nous avons appris confirmation de cette marche-là pour le 29 octobre. Nous n'y avons pas participé parce que nous n'en connaissons pas les demandes et les aboutissants. Vous savez, il y a parmi eux, dans l'heure, il y a des gens qui tiennent des langages qui sont contraires au langage du PRD. Nous sommes légalistes. Mais, quand même, quand vous regardez la classe politique, et depuis 9 ans, qui a été victime, principale victime du pouvoir? C'est le PRD. Quand nous prenions des coups, pendant que certains parmi eux aujourd'hui qui parlent étaient là-bas et cuisinaient les choses contre nous. Nous tirions sur la sonnette d'alarme,
Nous ne voulions plus le respect des textes. Mais les gens allaient tout droit. Et aujourd'hui, le pays est dans le gouffre. On veut maintenant, parce qu'on a conduit le pays dans le gouffre, que le PRD vienne. Ils ont offert son électorat pour ces populations en partie, pour qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Non. Donc, je pense que quand nous regardons cela, nous préférons ne pas nous mêler à la programmation qui est faite par la plateforme. Parce que, à côté de tout ça aussi, les gens disent, le PRD n'a plus aucune force. Il y a des composants de la plateforme qui disent que, que de jour en jour, le PRD devient une boule de chagrin. Mais bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Nous avons peut-être la même population. Nous n'avons pas les mêmes militants, nous n'avons pas le même électorat. Il faut que nous montrions notre présence. La volonté d'écarter le PRD et de l'ignorer est donc manifeste, et de le faire marcher est manifeste. Nous ne l'acceptons pas. Nous leur souhaitons de réussir seuls, si vous voulez. En tout cas, le pouvoir ne se gagnera que par les urnes. Le pouvoir ne se gagnera que par les urnes. Quoi qu'il en soit, ce qui compte en politique, c'est la réalité. Nous prouverons le 10 et le 11 décembre que nous sommes une réalité à laquelle il faudra continuer. Quand je laisse ce volet de la question et je viens à ce que certains amis ont dit concernant l'itinéraire, et ils sont surpris de nous voir appeler les autorités à venir délimiter l'itinéraire. Vous savez, nous sommes dans la ville de Cotonou, et le PRD a son itinéraire. Je ne trahirai pas le secret en annonçant ici que nous partirons de la place Lénine. Nous passerons par Topa pour aller à la bourse du travail. Après cela, une délégation du PRD portera nos propositions en direction du conseil et du gouvernement. Mais nous devons montrer que le PRD est présent sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, notre itinéraire est pratiquement différent. Différent, même pas pratiquement, est différent de leur itinéraire. À ce que je sache, ils partent de l'esplanade du stade de l'amitié pour échouer à la place des martyrs et à la place du souvenir. À ce que je sache, comme vous voyez, il paraîtrait, c'est pas à vous que moi je l'ai appris, que la mouvance aussi voudrait marcher le même jour. C'est son droit. C'est son droit. Suivant quel itinéraire, nous n'en savons rien. Et de là, notre demande. Parce que, comme vous savez, nous devons informer, chacun a la liberté de s'exprimer, de manifester. Nous devons informer les autorités municipales que nous marchons dans la ville de Cotonou. Et les forces de sécurité publique seront appelées à encadrer pour que des badauds ou des personnes mal intentionnées ne nous infiltrent, pour que les choses dégénèrent. C'est dans ce cadre, justement, puisque les demandes émanant de chaque formation politique vont atterrir sur la table de ces autorités, elles verront tout être fait à la part des choses, que tout soit fait pacifiquement. Oui. Maintenant, M. Vigile avançait à l'office. Que ferons-nous si le gouvernement interdisait les marches pour éviter les troubles? Je pense que je vais nous répondre à la question. Si le gouvernement nous invitait pour connaître les itinéraires arrêtés, il n'y aura pas de problème. Personne n'a l'intention de jeter des trous dans votre pays. Et la question se rapportant au COS-LEPI. On a noté un piétinement dans l'enregistrement complémentaire, mais il se fait que le vice-président du COS-LEPI est un PRD. Alors pourquoi nous critiquons? Non, ça c'est vrai. Il n'y a pas que le PRD au COS-LEPI.
tout le monde, toute la classe politique à l'Assemblée a décidé de corriger la lépi. Cette lépi qui a généré, qui a accouché du chaos, du faux chaos, nous le disons, du faux chaos, ça a été une mascarade. Des gens qui étaient hier au cœur du système sont venus à l'Assemblée le dire, ubi et orbi, que c'était un faux chaos. Ils ont manifesté quelque chose pour porter cette lépi. Ils l'ont dit, ce n'est pas nous. C'est un aveu. Ipso facto, ils sont devenus opposants. Ils sont maintenant avec la plateforme. Tout le monde a dit que nous voulons corriger cette lépi. Nous avons voté la loi pour corriger cette lépi. Mais vous avez vu que le gouvernement, je ne sais pas, mauvaise foi, je vais dire, je ne sais pas, n'a pas donné à temps les ressources qu'il fallait. Et les délais ont passé. La présence du PRD au sein du conseil se justifie parce que toutes les formations politiques qui ont un groupe parlementaire, qui sont structurées, qui sont à l'Assemblée, s'y retrouvent. FCB est là, RB est là, Union de la Nation est là. Ce sont les groupes parlementaires qui déterminent la représentation. Maintenant, le corps de l'EPI, c'est un organe de 11 membres, 9 députés, 2 techniciens en tout cas, administratifs, que moi je mets sur le compte de la mouvance, doit avoir un bureau de 3 membres. Et c'est dit qu'il faut que ce bureau ne soit pas monocolore. C'est dit dans le texte. Si le PRD peut s'y retrouver, comme une autre nation peut s'y retrouver, mais ce ne sont que 3 membres. Si la mouvance qui est majoritaire devait bien faire les choses, c'est peut-être de laisser, après avoir laissé place au PRD, puisque nous avons lutté pour l'avoir, elle aurait pu laisser aussi place à l'Union. Mais elle a préféré prendre 2 places et laisser une place à l'opposition. Quel tort le PRD a commis et d'avoir pu prendre cette place, de toute évidence, irait à un autre membre de l'opposition. Et ce n'est pas parce que Augustin Awamwebla, deuxième vice-président du Conseil de l'Union, est PRD, que le PRD ne va pas émettre des réserves ou bien s'exprimer quand il voit que la manière dont les opérations sont conduites ne sont pas vraiment orthodoxes. Il faut toujours vous rappeler que ceux qui sont au Conseil de l'Union sont astreints à un devoir de réserve. Ils ont prêté serment. Vous oubliez cela? Ils ont prêté serment. Moi, j'ai encore une liberté d'expression qu'eux, ils n'ont pas. C'est quand ils vont quitter l'institution qu'ils pourront peut-être parler. Donc, oubliez que Augustin là-bas et tout. Non, c'est normal. D'autres sont là-bas aussi. L'Union qui marche, n'a pas de gens là-bas. Flavonou et puis après aussi. Donc, je pense que. Bon, maintenant, pourquoi la date du 11 décembre, je l'ai déjà expliqué. Pour ça, il faut que le PRD marque sa présence et montre aux gens qu'elle est une réalité. Il ne peut pas nous faire dormir ou bien nous dicter notre comportement d'ailleurs. Charles-Marie Bonfort a dit que le PRD n'a pas été apprécié par le monde. Ça je l'ai déjà dit. Sérieux, je pense que les questions se recoupent. Je ne sais pas s'il y a oublié quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un a des préoccupations en France.